Good morning, allez Yiden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Richard Aaron Ben Fortune Mazal et Chaim. Rav Chaim Ben Yaakov Israël, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine du Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions Messechet Tanit, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Mishlosha Prakim Bashana, Kohanim Nosim et Kapehen, Arba Peamim Beyom. Le Shacharit ou Bemusaf ou Bemincha ou Beneilat Shaharim, Betaniot ou Bemamadot ou Yom Akipurim. On va commencer dans ce chapitre, le quatrième chapitre de Tanit. On a fini avec les jeûnes qu'on fait pour les toutes sortes de catastrophes et de menaces. Là, maintenant, on va s'intéresser au Mahamadot. C'est le sujet essentiel qu'on va voir. On aura l'occasion d'expliquer longuement dans la prochaine Mishnayot c'est quoi le Mahamadot. Pour le moment, je vous explique très rapidement le principe. Au Beit HaMikdash, il y avait une ronde de 24 familles de Kohanim qui venaient, et de Lévim qui venaient, et même de Israël. Il y avait même aussi des gens du peuple qui venaient au Beit HaMikdash ou qui se réunissaient dans leur ville, comme ce qu'on va voir longuement, pour prier pour leur Kachem, il agréait le Corban du Homme Israël. Ils avaient aussi une fonction de prier. Et il y avait une ronde. Donc maintenant, et durant cette semaine-là, quand c'était leur tour qui venait, eh bien, ils devaient prier tous les jours. Ils devaient même jeûner presque tous les jours, comme ce qu'on va voir. D'accord? Ça, c'est l'introduction des Mahamadot. On le reverra mieux encore dans la prochaine Mishnah. On prouvera et on explicitera plus la source de cet usage. Maintenant, la Mishnah elle commence en nous disant à trois Bishlosha Prakim Mashana, à trois reprises dans l'année, à trois occasions durant l'année, bien Kohanim Nosim et Kapehem, les Kohanim lèveront leurs mains pour faire la bracha, la birkat Kohanim en l'occurrence, Arba Pamim Beyom, jusqu'à quatre fois par jour. J'ajoute le mot jusqu'à parce qu'en fait, c'est pas toujours quatre fois, ça dépend du cas. Jusqu'à 4 fois par jour, c'est-à-dire de manière générale, nous, en jour normal, les Kohanim, ils font la Birkat Kohanim que à Shacharit, pas à Mincha et bien évidemment pas à Arvit. Pourquoi pas à Mincha? Parce qu'en fait, il est possible que les Kohanim, ils auront mangé d'ici Mincha, probablement, et lorsqu'on mange, on a le droit de boire du vin, et quand on boit du vin, on ne peut plus faire une avoda. Donc du coup, ils ne peuvent plus faire la Birkat Kohanim à Mincha. Shabbat, on pourra faire à Shacharit et Moussaf, puisqu'on ne mange pas avant, on ne boit pas de vin. Un jour de jeûne, en théorie, alors on pourrait éventuellement faire à Mincha. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bu de vin. D'un autre côté, il y a peut-être une crainte qu'un jour de jeûne classique, les gens ils vont se dire ah, à Mincha, on peut faire Birkat Kohanim. Ils vont venir à faire Birkat Kohanim un autre jour de jeûne. Donc à Mincha, on ne fait pas de Birkat Kohanim. Et il y a d'autres occasions, comme ce qu'on va voir, où on ajoutait une tefila supplémentaire, la Neila, en l'occurrence on connaît Yom Kippour, où on fait la tefila Taneila. Ça c'est une tefila particulière qui n'a pas de rapport tellement avec Mincha. On la fait à la fin de la journée, quand il fait presque la nuit, le coucher du soleil qui commence à approcher. Là, on aura l'occasion de faire la Birkat Kohanim éventuellement. Du coup, c'est ce que la Mishnah m'enseigne. Bishlosha Prakim Mashana, à trois reprises durant l'année. Kohanim Nosim Et Kapehem. Les Kohanim vont pouvoir lever leurs mains pour faire la tefila, la vraie Birkat Kohanim, Arba Pamim Beyom, jusqu'à même quatre fois dans une journée. On peut arriver parfois jusqu'à Beshacharit, à la tefila du matin, Bemusaf, lorsqu'on ajoute la tefila du Musaf, Mincha de l'après-midi, et Neila Tcharim, la fermeture des portes, c'est-à-dire la tefila ta Neila. Et alors maintenant, ça c'est, donc jusqu'à quatre fois quatre fois dans une même journée, tu peux avoir quatre occasions de le faire. Betaniot. Et donc, c'est quoi les trois fois? C'est-à-dire, trois fois durant l'année, à trois occasions durant l'année, tu peux faire jusqu'à quatre fois par jour. Donc, la Mishnah m'a dit, c'est quoi les quatre fois par jour? Shachrit, Moussaf, Mincha, Meila. Et c'est quoi les trois occasions durant l'année? Eh bien, ça peut être Betaniot, durant les jours de jeûne, où on faisait une tefila supplémentaire. Et au Beyom, oui. Non, Betaniot. Les jours de jeûne, on faisait la tefila dehors. Bemahamadot, lorsqu'on fait la tefila des Mahamad, justement ce qu'on va découvrir dans tout notre chapitre, qu'on faisait les Mahamadot, et aussi au Beyom HaKippurim, et au jour de Kippour, où là-bas, on a l'avantage d'avoir en plus de ça un Moussaf. Alors que dans les Taniyot, il n'y a pas Moussaf. Il y aura juste Shacharit, Mincha, et éventuellement Mahamadot, et éventuellement la Neila, mais il n'y aura plus de... Il n'y a pas de Moussaf. À Yom Kippour, on a même le Moussaf, donc du coup, on peut faire la Birkat Kohanim pendant 4 fois par jour. Concrètement, on ne tient pas à la halakha comme ça. Nous, c'est comme ce que je vous ai introduit tout à l'heure, que dans la Mincha, en théorie, on ne fait pas de Birkat Kohanim même durant un jour de jeûne.
Mais à Neila, il faudra faire. Et lorsqu'on fait la mincha à la même heure que la Neila, c'est-à-dire qu'on fait une mincha en fin d'après-midi, à la tombée de la nuit, alors là, les Kohanim pourront faire la Birkat Kohanim. C'est comme ça qu'il est l'usage en général, je pense, que Birkat Kohanim pendant le jour de jeûne, c'est que si on fait une mincha très tard. Mais si on fait une mincha dès le début de l'après-midi, on ne pourra pas faire la Birkat Kohanim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout. Salam.